Après les séances publiques et scolaires, la compagnie Jabron Rouge proposait son spectacle intitulé « Mademoiselle pas assez » lors des mercredis éducatifs à la Maison de l'Enfance. Ce spectacle, interprété par Nathalie Rock, met en scène des marionnettes et plus particulièrement « Mademoiselle pas assez ». Cette petite fille n'a pas assez de jouets, il lui manque un poutraque, mais son père n'est pas d'accord et il l'enferme dans sa chambre et la laisse pleurer à la fenêtre. C'est alors qu'un vieil ange gardien passe et Mademoiselle pas assez s'envole avec lui. Ils arrivent devant la fabrique, mais l'entrée est interdite aux enfants. Pas assez grande, mais assez maligne, Mademoiselle réussit à se glisser dans l'ascenseur qui mène à la fabrique. Elle va rencontrer plusieurs ouvriers devant leur machine et accepter de les aider pour avoir un poutraque. Mais elle n'est pas assez prudente et va se retrouver tour à tour trop petite, puis trop grosse et enfin trop grande. Un spectacle rempli de périples et de rebondissements qui a permis à ce jeune public de découvrir le spectacle vivant et d'être sensibilisé à la culture tout en douceur. Hé, la petite demoiselle là-haut, descends un peu. Oh, je suis sûre que mon téléphone... Alors, mademoiselle ma fille, tu es venue dans mon bureau et tu as pris mon téléphone. C'était pour jouer. Pour jouer? Mais tu as déjà un tas de jouets. Ah non, j'en ai pas assez. Pas assez. Pas assez. Eh bien, mademoiselle, pas assez. Il n'y a pas assez de place dans mon bureau pour tous tes jouets. Alors, tu me ranges tout ça et tu retrouves mon téléphone. Qu'est-ce que c'est? La fille du directeur. Oui, mademoiselle. Je cherche un poutraque. Mais il n'y en a pas. Vous savez ce que c'est? Non, mais je sais qu'il n'y en a pas ici. Ils en fabriquent peut-être en bas. Ouh, mais vous savez bien que vous ne pouvez pas descendre. L'entrée de la fabrique est interdite aux enfants. Oh, c'est alors une gamine dans la fabrique. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la gardienne qui m'envoie. Ah ouais? Je cherche un poutraque. Ah ouais? Vous savez ce que c'est? Oh ouais. Bon, alors je veux un poutraque. Ah non. Oh ben non, on n'est pas ici pour jouer, on est ici pour travailler. Allez, allez, rentre chez toi ma petite fille. Mais je peux travailler aussi. Eh ben t'es pas assez grande pour travailler. Pas assez, pas assez. J'en ai assez d'être pas assez. Oh non, prends-les. Il faut envoyer la suite. Alors, tiens, tu vas remettre ce petit bac dessous. Non, 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 à côté, bien dessous la machine. Voilà. Et maintenant, sors-toi de là, que ça pourrait être dangereux. Vous êtes prêts? On y va. Et
Oh, mais ça ressemble à un vrai bureau ici. Tout est rangé, plus de jouets qui traînent. Parfait. Maintenant, voilà ton foutraque. Il n'y a rien du tout. Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tes mains. Eh bien, justement, le foutraque se joue avec les mains. Comment ça? Tiens, fais comme moi. 1, 2, 3, pouf. Vas-y. Trac, j'ai gagné. À la fin de cette représentation, une surprise attendait les enfants, le Saint-Nicolas. En effet, il avait fait le déplacement jusqu'à la maison de l'enfance pour proposer aux enfants un paquet de friandises et de bonbons. Une visite appréciée par les jeunes et qui a terminé cet après-midi en beauté.